Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer un émetteur sur le store vertical motorisé. Donc, comme vous pouvez le constater, la touche montée et descente ne fonctionne pas. Je vais initier le process, donc je coupe l'alimentation de secteur, ce qui veut dire que de ce moteur-là. Ça y est, mon collègue vient de débrancher. J'appuie sur le bouton monter. Toujours en restant appuyé, mon collègue rebranche l'alimentation et vous entendez la centrale biper. Je reste toujours en appuyant. Elle a bipé plusieurs fois, je relâche. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, elle est programmée. Je vais vous montrer comment effacer la mémoire de la télécommande. Donc, comme vous pouvez le constater, monter et descendre fonctionne très bien. Je vais initier le process pour effacer la mémoire. Donc, j'appuie sur le bouton monter et descendre en même temps. Donc, je vais m'appuyer ici. Je coupe le secteur. Mon collègue vient de le rebrancher. Vous entendez les bips? Elle a bipé 5 fois d'affilée, ce qui veut dire que ceci est bon. Nous essayons. Comme vous pouvez le voir, c'est effacé. Je vais vous montrer comment changer le sens d'orientation du moteur. Comme vous pouvez le constater, le bouton descente fait le moteur monter et celui-là du haut le fait descendre. Donc, nous devons inverser le sens d'orientation du moteur. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper l'alimentation du secteur, de ce moteur. J'appuie sur le bouton du bas, toujours en restant appuyé. Mon collègue rebranche le secteur. Vous entendez les bips. Processus validé, nous allons constater. Et c'est tout bon.